dass die Haut verbrennt. Ich werf ein Licht in mein Gesicht. Mein sécurité niveau 4, orange. Sécurité niveau 5, rouge. Et vers 0h30, la mission s'est écartée de la trajectoire prévue. Le fait que notre agent se fasse liquider n'était pas au programme, c'est rassurant. Identité confirmée. McGrath était en train de nous transmettre des données quand il a été abattu. Jetez un œil à ça. Je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est. C'est un fragment d'une macromolécule. Gibbons. Plusieurs de nos analystes voient un rapport avec une arme biochimique disparue que les Soviétiques développaient, paisible nuit. James, mais qu'est-ce qu'il vient foutre ici? C'est moi qui l'ai fait venir. Nous avons déjà perdu 3 hommes avec cette affaire, il nous sera utile. J'ai pu déterminer qu'ils ont été tués par ce groupe, Anarchie 99. D'anciens militaires capables de voir venir nos agents avec leurs gros sabots à 15 bornes. Messieurs, je crois qu'il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Les gars sont pas de chez nous. D'où ils sortent? De la CIA? Non, ce sont des civils. Des détenus, des mercenaires, des tueurs à gages, les plus brillants ralliés à la cause de la déchéance. Ce que l'humanité a fait de pire. Et ils sont hyper façonnables, jetables et ultra efficaces. Je crois que c'est notre meilleure carte. Allons-nous lâcher une autre souris au milieu d'une nid de vipères? Ou allons-nous leur envoyer notre vipère afin qu'elle les infiltre? On se bouge, Pépito. C'est pas croyable. Eh oh! Ah, quand même! Bonjour, j'ai bien failli attendre. Maintenant, écoutez. Vous venez d'où, vous? De Tijuana?
Je voulais pas me montrer grossier. Écoutez, garé là à l'ombre, je ne veux pas que la peinture ternisse. Vous comprenez notre langue? Vous n'aurez pas de pourboire. Allons-y, Janelle. Tu m'as adoré, cet endroit est top. Le sénateur Hotchkiss, sénateur de Californie, écoutez, on vient de voler ma voiture! Parce que je viens de tirer cette caisse. Ça crève les yeux que c'est pas la mienne. C'est pas du tout mon style. C'est celle de Dick. Dick Hotchkiss, sénateur de l'État de Californie. Vous vous souvenez de Dick? C'est le gars qui a essayé d'interdire le rap parce qu'il trouve que les textes encouragent la violence. Eh, c'est de la musique, Dick. C'est aussi lui, le gars qui veut que tous les jeux vidéo soient retirés de la vente dans ce pays. Et ça parce qu'il trouve que les jeux vidéo diminuent l'intelligence de nos jeunes. Oh, bon sang, Dick! C'est la seule école qui nous reste. Dick est un homme mauvais. Tu sais ce que nous on fait aux hommes mauvais? On leur file une punition. Dick, tu viens d'entrer dans le territoire de Xander. C'est bon, j'arrive à fond la caisse avec les tarpies. Monsieur le sénateur! C'est bon, vous avez les caméras? Oui, on les a! On y va! C'est une mortelle, faut qu'on bouge! Chef, unité 02 QG, on l'a perdu! Salut, bon de la... Plan de délire dont tout le monde parle. T'es déjà passé à l'acte? La série de tonneaux à la Superman. Ah, comme tu dis. Je travaille toujours dessus. C'est difficile de mettre la main sur vous, Xander Cage. Vous savez, un athlète tel que vous devrait avoir son propre jeu vidéo. Jordan King. Et je peux m'en occuper. Je la mets au chaud et je vous contacte plus tard.
J'y compte bien. Tu sais quoi, c'est pas le genre à changer de camp, et c'est pour ça qu'il est ce qu'il est. Alors tu devrais te calmer. Et au fait, qui t'a invité? Je t'a... Ta gueule! Oh. Écoute, je suis sérieuse. Je peux avoir une avance grâce aux préventes sur Internet. Pendant ce temps, tu te casses. À Pago Pago ou ailleurs, tu te trouves des filles, tu leur fais la totale, je m'en tape, prends des vacances. C'est Bora Bora, Gigi. J'ai assez de filles dans le coin. Depuis quand gagner de l'argent, c'est si important pour toi? Écoute, j'ai juste besoin que tu disparaisses le temps que ça se calme. J'ai un site web clandestin, moi, à faire tourner. J'ai des tas de cassettes en projet et j'y arriverai pas si t'es en tôle. Casse-toi. Hey, t'as vu ça? J'en ai rien à foutre de tout ça. Fais ce que je te dis. Je suis intouchable. C'est ça, oui. Baissez le volume. C'était qu'une corvette. Allez, mets le turbo, ça refroidit. Je peux avoir des pommes de terre sautées? En fait, évitez de les cramer, je les aime bien fondantes. Notez. Comment j'ai atterri ici? Deux armoires à glace vous ont déposé ici il y a 10 minutes. Ils m'ont dit de veiller sur vous. Vous voulez du café? Avoir votre tête, ça sera pas de trop. Est-ce que ça va? Super. J'ai dit, t'as un problème, mon pote? Non, aucun problème. Bon, ok, donc personne ne bouge! Vous êtes que personne ne bouge! Hé, laisse pas te bouger par terre, grouille-toi! Tu gardes ta grosse aussi à terre, vite! Reste immobile ou je fais en sorte que tu ne remues plus jamais, s'il te plaît! Toi, tu vides ta caisse de merde et plus vite que ça! Alors tu vas vite cette caisse! Recule! Je vais tirer, recule! Non! Bien joué, Monsieur Cage. D'où vous sortez, vous? Je m'appelle Gibbons. Augustus Gibbons. Vous avez l'air contrarié. Il y a un problème. C'est quoi, cet endroit? On dirait une cafette. C'est bien vu. Vous savez quoi? Pour un peu, je me faisais avoir. J'étais un peu sonné au début, mais après, j'ai remarqué des choses. Du genre, l'autre boursicoteur qui s'est mis sur son 31 et qui lit le Financial Times un dimanche matin quand le marché est fermé. Peu crédible, mais ok, ça je pouvais le gober. J'aurais même pu gober le coup du braqueur qui vous sort un Beretta réservé aux flics. Mais vous voulez savoir où vous avez merdé? C'est avec elle. Ma tante a servi dans des restos pendant toute sa vie. Vous verrez la Vierge avant de voir une serveuse de métier bosser en talons aiguilles. Elle aurait chopé des cloques de la taille d'une brioche avant l'heure du déjeuner. Vu qu'elle était bidon, tout ce qui nous entoure était bidon. Voilà comment j'ai su que l'autre bouffon vautré par terre n'aurait jamais pu faire feu, même si on avait attendu jusqu'à la Saint-Jean. Y a rien que des balles à blanc dans cette carabine. Et... je voudrais pas vous vexer, mais leur petit numéro était franchement merdique. Excellent. Vraiment. Bon, ok, à votre tour. Beauté fatale. Qu'est-ce que c'est, ce bordel? C'était un test, Monsieur Cage, et vous avez cartonné. Il semble avoir un mauvais état d'esprit. C'est de moi que tu parles. Est-ce qu'on le réexpédie? Vous rigolez, j'adore son état d'esprit. Envoyez-moi ça au niveau suivant. Qu'on me donne une liaison satellite. Envoyez quoi au niveau suivant? On l'intégrer à une équipe dans 2 heures. Hé, vous! Je veux que tout le monde soit dehors d'ici 10 minutes. Attendez, je sais pas quel jeu vous voulez jouer avec moi, mais ça m'intéresse pas! Un médecin pour Mike. Manquerait plus qu'il me ressemble. J'ai une fête qui m'attend. Où est lui le bec? Et n'oubliez pas de me rembourser la lettre. Pourquoi c'est toujours les connards qui brillent au test? Oh.
fait squatter une cafette il n'y a pas longtemps. Eh ouais. Les finalistes de la cafette. J'aimerais vous servir du café. Ah, oh, génial. Tiens, là, les planqués. Eh, oh. Doucement. Vous avez de la chance. Où sont mes cacahuètes? Allez, bougez-vous. C'est toi là. Eh, les copains, vous pouvez m'appeler l'hôtesse? Bien reçu. Ouverture de la porte. Envoi de parachute de traite. C'est quoi, bordel? Libérez la traite maintenant. Roger. Ces trucs-là, ça m'éclate à mort! Dans la rue. Quoi encore? C'est un autre test. Allez, on traverse la rivière. Écouillez-vous. C'est ça, bonne idée, bonne idée. Hé, hey, les pervenches, vous êtes trop forts pour moi. Je crois que j'ai raté le test. Vous n'auriez pas un truc à voir? Oh! Sur ce coup-là, vous trouvez pas? Oui. Rigolo, c'est ça? Je vais vous montrer, moi, ce qu'on fait aux rigolos qui font l'emmener dans nos affaires. Quoi? En nous ligotant et en nous forçant à écouter ton accent à la con? Non. En vous coupant les talons d'Achille et en vous regardant vous vautrer par terre comme des marionnettes. À moins que tu aies quelque chose à m'avouer, quelque chose que je devrais savoir. Ok. Tes cours sur place. Et mon pote, il dit que tu devrais changer ta coupe pour être à la page. Lâche-moi. Fermez vos gueules! Hé, il y a à peine deux secondes que tu voulais qu'on parle, et là, il faut qu'on la ferme. Je voudrais pas enculer les mouches, hein, mais t'es vraiment un bourreau à chier. Si tu me retouches, je descends te filer une branlée. Putain, j'espère qu'on te file un bonus pour ça. C'est quoi, rigolo? Je te couperai les nez pour commencer. Rigolo. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ce machin sent vraiment le sang. J'espère que tu prends ton pied, parce que c'est la dernière chose que tu vas sentir. Thank you.
Maintenant, c'est chacun sa merde. Je vais nous dégoter un truc qui roule. Tu bouges pas de là. Bonne chance. Thank you.
Voyez-vous ça? Frankenstein en personne. Enlevez-moi ces menottes que je puisse vous refaire le portrait. Tout doux, X. Vous venez d'obtenir votre licence avec mention. Putain, mais qu'est-ce que vous me baratinez? Vous avez failli nous faire descendre. Nous savions que l'armée colombienne allait débarquer. C'est à moi que tu parles. C'était mon idée de vous utiliser comme appât. Pas mal comme idée. Vous frappez vite pour un vieillard. Debout. On va faire un tour. Vous savez, je suis le genre de gars qui pense que si les bonnes circonstances sont réunies, un homme peut changer. Par exemple, cette nuit, vous avez déployé courage, leadership et empressement pour protéger un homme que vous connaissiez à peine. Alors filez-moi une médaille. Je vais plutôt vous filer un boulot. Regardez-moi. Vous trouvez que j'ai la tête d'un fan des lois? C'est votre jour de chance. Vous avez l'occasion de rembourser votre patrie pour toutes les merveilleuses libertés dont vous jouissez. Le travail n'est pas si difficile. Je veux que vous rencontriez des gens et que vous leur soutiriez un max d'informations. Quel genre de gens? Dangereux, détestables, tatoués, grossiers. Des gens de votre espèce. On se calme. Les gens de mon espèce vous diraient... Va te faire mettre, Scarface. Écoutez, en temps normal, j'aurais sorti mon arme et je l'aurais pressé sur votre tempe en insistant très poliment pour que vous fassiez ce que je veux. Mais vous n'êtes pas du style à avoir peur de la mort, ce qui nous place devant un dilemme, n'est-ce pas? Je considère donc qu'on n'a plus rien à se dire. Pas tout à fait. Vous avez déjà observé des lions ou zoos? On peut toujours dire lesquels ont été capturés dans la nature, il suffit de croiser leur regard. Le chat sauvage, il se souvient des courses dans la plaine, de l'excitation de la chasse. 200 kilos de furie meurtrière mise en cage. Mais après un moment, son regard cesse de briller, il se voile. Et là, on sait que son âme s'est éteinte. La même chose peut arriver à un homme. La vie au pénitencier de Leavenworth n'est pas rose. Ils prennent un rebelle comme vous et le collent en cellule d'isolement juste pour le plaisir. Fini les joies du snowboard en montagne. Fini l'ivresse du surf sur l'océan. Juste une cellule de 2x3 sans aucune fenêtre. Et une espèce de seau qui se chiotte. Mais vous pouvez vous épargner tout ça en me rendant ce petit service. Vous avez que dalle contre moi. J'ai remarqué que vous aviez 3X tatoués sur votre nuque. Je dirais que c'est assez bien vu, puisque vous visez la triple condamnation. Trafic de voitures, mise en danger de la vie d'autrui et sur le pont votre cascade maison. Ça fait de vous un triple loser. Peut-être que vous devriez vous faire appeler triple X. Mais si vous m'obéissez, je ferai en sorte que vos récents crimes soient oubliés. Ensuite, je vous laisserai vous replonger dans ce pathétique semblant d'existence. Vous croyez peut-être que je devrais être comme vous. Allez me faire perforer pour des étoiles sur un drapeau. Mais je parie que ce drapeau vous réconforte à chaque fois que vous vous croisez dans un miroir. C'était un prix dérisoire à payer pour pouvoir me battre pour mon pays. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Triple X? Vous montez dans l'avion? Ou bien va te faire mettre, Scarface, et votre dernier mot? C'est Ivan. Ivan? Et toi, mon pote? Je m'appelle Ivan. Vous deux, c'est Ivan. Hey, les gars, il y a un problème. Je t'ai dit de t'asseoir. J'ai eu ma dose pendant 12 heures dans l'avion. Je vais rester debout. Écoute, je m'appelle Milan Sova, police secret tchèque. Tant que tu es là, tu es sous ma juridiction. Tu obéis à mes ordres. Tu fais ce que je te dis.
Et si d'une façon ou d'une autre tu deviens gênant, je te bute. Trop cool. C'est ici que je crèche? Tu es ici parce que ton gouvernement fait pression sur mon gouvernement. C'est une affaire interne, 100% tchèque. Vous faites de l'ingérence, je te le dirai qu'une fois. Faut pas ta merde chez moi. Ramasse toutes les informations que peut vouloir ton gouvernement et dégage. On va se mettre d'accord tout de suite. Peut-être que ça te saoule de me voir ici, mais dis-toi que ça me saoule encore plus d'être ici. Deux, j'ai jamais été sous la juridiction de personne. Et trois, si tu veux buter quelqu'un, bute cette enflure qui t'a vendu ce costard. Là, je suis fatigué. Je vais me pieuter. Sois prêt dans 3 heures. Tous les gens dans ce club ont 2 choses en commun. Tous pleins aux as et tous bons pour les goulags. J'ai pile le profil. Sauf pour le côté plein aux as. Au fait, on s'est jamais vu. Si ça pouvait être vrai. Voir un tonic cassis. Tenez, vous mettez ça derrière. Ah non. Il y a quelque chose. Pourquoi vous ne mettez pas derrière, juste comme ça, non? C'est combien? Donnez un ticket. C'est eux, là-bas. Anarchie 99. Tu vois le mec dans le canapé au milieu? C'est Yorkie. C'est lui, le boss. Ce club est à lui, il en possède 5 autres dans le même genre. Comment vous dites chez vous? Pas chalet? Hé, hey, cowboy! Hé, hey, les gars, je suis américain, je vais voir Yorgi. Yorgi. Hé, hey, Yorgi. On dit que t'es le gars qui... Ah, t'as dit, tiens. J'ai entendu dire que question bagnole, t'étais le gars qui fallait s'adresser. Faites-vous faire un tour ailleurs. Que j'aille faire un tour ailleurs? Mais je viens juste de... Ok. Vous êtes pas content de ma visite? C'est vrai que vous préférez celle des flics dans votre club. Hé, tu! Stoy! Tu veux qu'on cause? Et toi, l'abruti, viens avec moi. Viens me montrer ton flic. Et fais pas le malin. Tu vois ce gars, là-bas, habillé avec un rideau de motel? Eh ben, c'est un flic. Il y a un problème. Prenez juste un verre. Pour pouvoir en plus. Alors pourquoi vous faites toutes ces histoires? J'ai rien fait du tout. T'as rien fait, c'est ça? Pour qui tu bosses? Je bosse dans une banque. Et alors? Te fous pas de nous. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Lâchez-moi! Ça c'est quoi? C'est pour prendre le bus? Starsky et Jack. Starsky et Jack. Zaraza. Dégage de mon club. Comment vous avez su? Comment j'ai su? Eh ben, quand il payait ses verres, c'est tout juste s'il nous balançait pas sa carte en pleine tronche. Les flics de vrais cafards. Peu importe combien vous en payez, il y en a toujours un autre pour venir mendier. Je suis quelqu'un de la rue. Les flics, je vais s'en venir de loin, sérieux. Et je vous suis reconnaissant de nous avoir alertés. Mais j'aimerais vous poser une question. Pourquoi? En fait, tu vois, je me suis dit, personne n'aime voir les flics débouler à sa fête. Je me suis dit que si je t'arrangeais un coup, on pourrait discuter. Quoi? Je vais juste m'acheter quelques voitures, mec. Ce gars va se soulager sur ma jambe. C'était un maniaque. Quel est votre nom? Xander Cage. Je le savais. T'es incroyable. Sur un snowboard, sur une bécane, t'assures partout. La vérité, toi, t'es trop fort. Mon petit frère est cinglé lui aussi. Il est un de vos plus grands admirateurs. Il n'arrête pas de se repasser vos cassettes. Maintenant, on peut faire affaire. Par ici, s'il vous plaît. Il y en a. Bienvenue sur les territoires d'Exender. Super l'imitation. C'est trop marrant. Asseyez-vous, monsieur Cage. Au fait, mes amis m'appellent X. Alors, X, qu'est-ce que tu cherches exactement? Les Ferrari Squadra Rocket. 10 pour commencer. Cette voiture, la numéro 10, va être très difficile à trouver en Europe. Ah, oui, celle-là, je la veux pour moi.
Je l'ai ajouté. En gros, c'est ça, ma com sur le deal. Eh bien, on dirait que ça te connaît, les voitures. Ouais, bagnole, bécane, board, n'importe quoi. Je kiffe tout ce qui est assez rapide pour s'envoyer en l'air. Ah ouais. 10 voitures, c'est tout juste si ça vaut la peine. Ça vaut quoi? 1,5 million de dollars US? Eh, hey, cool, attends une seconde. Mes commanditaires américains sont pas des petits joueurs. Pour eux, 10 bagnoles, c'est des amuse-gueules. Et j'allonge au max 1 million, ma petite. Disons plutôt 1 million 4. Moi, je voyais à tout casser 1 million 2. Tu sais ce que c'est un virement bancaire? Elle nous fait un sketch? Écoute, mon cœur, t'aurais pas des trucs à faire dans ta chambre. Laisse les grandes personnes discuter en paix. Oh, oh, oh. Discuter, un mot de 3 syllabes. Tu veux un peu de glace? Faudra pas que ça chauffe trop là-haut. De la glace? Hein, tu pourrais en récupérer de ton cœur, si t'arrives à le trouver. Ok. Je crois que ça irait carrément plus vite, princesse, si j'avais un numéro de compte. Tu as 48 heures pour effectuer le virement. Ne me fais pas perdre mon temps. Oh, je me le permettrai pas. En fait, je devrais ajouter quelques billets pour qu'on te paie un stage de bonne manière. Maintenant qu'on a fait affaire, c'est parti pour la fête. Goulem! Place aux pétasses! Oh, c'était juste un portable. Bien reposé, Xander? Mettez-la en veilleux, je me suis couché il y a à peine une heure. On vous avait donné une liste précise de voitures. Qui vous a autorisé à la modifier? Toutes ces bagnoles étaient à chier, ils nous auraient grillé en moins de 2. Vous savez quoi, les gars? Vous devriez changer d'agence de voyage. J'ai les infos que vous vouliez. Attendez, bougez pas. Ok, vous êtes prêts, les mecs? Leur nom, date de naissance, grade dans l'armée rouge, leur plat favori. Bon sang, où vous avez déniché tout ça? Il se trouve que Kolia, le petit frère de Yorgi, est dingue de sport extrême. Du coup, je suis un dieu pour lui. Mais quand on s'expédie une bouteille de vodka en 3 gorgées, c'est clair qu'on devient bavard. Ah, au fait, j'ai autre chose pour vous. Quoi? Leur numéro de compte personnel. Ah, merde, où je l'ai foutu, ce machin? Ah, ça y est, je l'ai. Voiture volée, boîte de nuit, réseau de prostitution, extorsion. Qu'est-ce qui vous excite autant chez ces types? On a des criminels de ce calibre chez nous. Votre job, c'est de chercher des réponses, pas de poser des questions. Alors je l'ai fait, mon boulot. Merci pour tout, et je rentre chez moi. Pas si vite. Vous êtes victime de votre succès, Triple X. Je veux que vous vous incrustiez chez ces gars. Attendez, ces gars-là sont cool, mais pas si cool que ça. Creusez. Je vous envoie quelqu'un avec un kit de mission pour vous aider. Je croyais qu'on avait un deal. Vous changez la liste? Je change le deal. Faites ça pour moi, et vous rentrez chez vous. Quand vous voulez envoyer quelqu'un sauver le monde, assurez-vous avant qu'il y tient à ce monde. J'ai des pectoraux en béton, je décolle quelque chose comme 100 kilos à la presse. C'est une presse, une presse. Oui, est-ce que ça vous fait? C'est celle de muscu. Je repasse. C'est lui. Oh là là. C'est vous, Triple X? Toi, le kit de mission? Exactement. Agent Shavers. Agent Tobini Shavers. Suivez-moi. Il devait avoir une cote d'enfer pour que Gibbons fasse envoyer tout ce matos ici. J'aurais bien voulu venir avec vous, vous savez. Agent de terrain. Être pris dans le feu de l'action, c'est trop génial, mec. Permis de tuer, mort, destruction, carnage, avoir un automatique sous l'oreiller, ne jamais savoir quand la vermine va tomber dessus et BAM! Hey! D'accord. Ça fait longtemps que vous êtes dans l'agence? 2 jours. Vous vous foutez de moi? Non, bah, j'hallucine! Mais ça craint! Ouais, ça craint, mais c'est mieux que la cabane. Non, ça craint parce que j'ai passé 6 ans dans le sous-sol d'une sordide salle de travail de la NSA, où ça invente des gadgets à tour de neurones, et je suis archi-diplômé. J'étais polytechnicien, membre de la très prestigieuse Phi Beta Kappa. Et ils vous ont sûrement recruté à la va-vite. Je parie que vous souleviez des poids à Alcatraz. Tu t'es jamais fait défoncer la tronche parce que tu l'ouvrais trop. Montre-moi le matos. Ouais. Il m'a rendu célèbre. C'est la perfection même.
Mon revolver de service multifonction, multi-usage. Waouh, ça me plaît. Alors, vous aimerez la suite. Toutes ces fléchettes ont une fonction. À chaque situation, sa fléchette. Vous voyez les vertes? Les fléchettes du sommeil. Bah! Et le gars s'écroule pour 12 heures. Au réveil, il n'est pas foutu de savoir qui il est, ni où il est. Et sa tête, je vous raconte pas, un volcan en éruption. J'ai été assommé deux fois par ces trucs. Et les rouges? Tranquillisant et éclaboussure de sang. Tous les symptômes du coup fatal sans les effets secondaires du style la mort. Vous avez les explosives, les radios traçantes et bien sûr vos munitions standard calibre 44. Si vous voulez que ça fasse très mal. Une petite boucherie. On se comprend, pas vrai, hein? Ah, on s'y connaît en braquage de supérette, n'est-ce pas? Non, je me suis retrouvé avec une jambe plâtrée pendant 3 mois et j'ai tué le temps en dégommant des tas de gens sur ma console de jeu. Vraiment triste, cette histoire. Ok, venez vous rincer l'œil, c'est mon bébé. Mes yeux de lynx, 9 modes de vision amplifiés différents, le rêve de tous les collégiens, c'est le mode ultra pénétrant. Régalez-vous. Vous avez une touche, on dirait. C'est bon, je les adopte. Et maintenant, voici ma dernière création. J'ai apporté la touche finale à ce chef-d'œuvre la semaine dernière. Alors, qu'en dites-vous? Des pansements? Eh non, monsieur X, regardez et apprenez. Il y a assez d'amorce dans ce petit pansement pour perforer une chambre forte, désintégrer un corps humain ou tout ce qu'un agent comme vous pourrait trouver comme application. Et matez un peu ça. C'est le détonateur. C'est pas trop cool, sérieux? Vous feriez bien de reculer un peu pour ça. Allez. C'est qu'un pansement. Faites ce que je dis, reculez. Allez derrière le mur. Vous êtes prêts? J'ai toujours rêvé de dire ça. Chaud devant. Magnifique. Tu aimes les voitures? J'adore les voitures, c'est de la balle. Tu aimes l'argent? J'adore, mais moi je ne l'ai pas encore. Avoir tout ça, on dirait que tu t'en sors plutôt bien. Tous ces employés, ces magnifiques voitures. C'est pas le moment d'essayer de me faire rire. Ça ne m'a même pas effleuré. Il y a un bateau qui attend à Rica. Tiens, voilà l'adresse. T'as planqué le tue. Et celle-là, c'est la mienne? Elle est en numéro 10. Paul a l'air déniché au fin fond de Berlin. Elle a été très difficile à trouver. Allons, laisse-moi faire. Tu as été assez gentil pour me donner mon argent. Non, si tu veux bien, prends le volant. Je t'en prie, laisse-moi faire. T'es cool, toi, tu sais. Tu sais, tout est cool avec suffisamment de vodka. Je veux que tu viennes à ma fête ce soir. Ce sera une fête monstre dans un de mes clubs. Sérieux? Ouais. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? J'attends que tu m'expliques. T'as foutu un tireur sur le toit ou quoi? Il est pas avec nous, Xander, il est forcément avec toi. Mon cul! Dis à tes gars de baisser leurs armes.
ou je te fais un trou de plus pour ventiler. Reçu. Bon, d'accord. Il n'est pas avec toi. Allons le chercher tous les deux. Ont une grande bouche, peu répondent présents au moment crucial. Bienvenue à Anarchie 99. Fumer que l'air. Si j'y pouvais, je fumerais en dormant. Et je fumerais encore quand elle aura eu ma peau. Водку, дорогая. Tu parlais d'Anarchie 99. Qu'est-ce que c'est, une bande de motards de ton cru? Yeah. C'est notre raison d'être depuis 99, l'année où on a quitté l'armée de notre mère, la Russie. Beaucoup de nos camarades sont morts au combat. On a dit merde à toutes leurs conneries. Ils sont morts pourquoi? La politique? Quelle politique? Pas la nôtre. Alors on a décidé depuis ce jour-là de faire tout ce qu'on voulait, quand on voulait. Et c'est en leur honneur que nous appelons Anarchie 99. Tu sais, il y a une vieille chanson punk qui dit « L'Amérique, c'est un symbole de la liberté. » Mais si tu crois que t'es libre, essaie d'entrer chez un traiteur et d'uriner un coup sur son beurre. Ouais, c'est ça. Ouais, Anarchy Burger chanté par les Vandales. Deutschland. Écoute, je suis avec toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as toutes ces lois. Les autorités sont partout. Ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça. Peut-être pas toujours. Il y en a. Fais en sorte qu'ils ne se sentent pas seuls. Ne sois pas farouche. Иди сюда, Милена. Tu veux qu'on danse? Vraiment un bon danseur. Faites ça en double. Alors c'est comme ça, hein? Écoute, si t'as les nerfs contre lui, les passe pas sur moi. Pendant toute la soirée, j'ai essayé de capter ce qu'il y a entre vous deux. T'es sa femme ou quoi? Oui, je suis sa femme. Si tu me payes autant que lui, je peux être la tienne aussi.
tuer? Oui. Tant mieux, parce que ça n'arrivera plus jamais. Le propriétaire des lieux a subitement décidé de déménager. Pao! C'est de la folie, je te jure. J'ai fait comme chez toi. Donne-moi ton manteau. Hey, Victor! Oh, qu'est-ce qui branle ton pote? Ça n'est pas un peu fétichiste? Oh, non! Il est juste amoureux d'elle, un voyou au cœur d'artichaut. Yeah. Nous t'avons! Faut aller faire dodo, l'ami. Il commence à se faire tôt. Yelena, покажи-moi. Sois gentil, montre-lui sa chambre, tu veux? Ну-ка. Non, après toi. Non, après toi. Non, j'insiste. C'est là. Dernière chance de me mettre au lit. Bon matin. Je sais que c'est pas mes oignons, mais une perceuse et des mèches en titane me paraissent plus appropriées que cet appareil photo. Tu n'as absolument rien à faire ici. Je vais faire un tour au pipi room. Et toi, c'est quoi ton excuse? Je n'ai pas besoin d'excuses.
si bonne que ça. Écoute, j'étais venue prendre quelques photos du coffre de Yorgi parce que j'ai pensé qu'elle pourrait intéresser quelqu'un. Oh, arrête un peu. Tu es froide, intelligente et vicieuse. Ce sont tes yeux qui t'ont trahi. Ils t'ont trahi quand j'ai buté l'autre flic. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais t'inviter au resto. Ah, au fait, le flic que j'ai buté, il est pas mort. Да. Я слушаю. Кто говорит? Информация? Ça peut toujours servir une information. Votre nom. Comment avez-vous eu ce numéro? Des choses importantes que vous devez savoir à propos de Xander Cage. Ah. Quoi, t'aimes pas les étrangers, c'est ça? Non, tu es un gros porc. Et ton petit copain, c'est un porc, lui aussi. À toi de me le dire, tu devrais reconnaître tes semblables. Maintenant, parle-moi du flic. Qu'est-ce que tu dirais si je te disais que je suis pas celui que tu crois? Que je pourrais te sortir de la merde dans laquelle t'es? Sans blague. Et dans quel genre de merde je suis? Le genre de merde qui te fait fouiner dans le château pendant que tout le monde roupille. Ce genre de merde. Le flic, hein? Tu vois ça? C'est une fléchette qui répand du sang. L'impact est réel, mais sans danger. C'est de la peinture rouge. Pourquoi? Je suis un agent secret. Tu veux vraiment m'afficher ou quoi? Ah, tu es trop drôle. Qu'est-ce qui est si drôle? Enfin, regarde-toi une seconde. Je bosse pour la NSA. Tu es marron, tu es au courant? Da. Eliana, c'est Kirill. Yorgi a découvert que Cage est un agent américain. Tu comprends ce que je t'ai dit? Tu es en danger, mon amour. Tu vois le bâtiment de l'autre côté de la rue? La statue. Arrange-toi pour qu'il sorte. Je m'occupe du reste. C'était ton petit copain? Admettons que tu sois qui tu dis que tu es. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Qu'est-ce que tu veux? Je veux l'immunité judiciaire, l'asile politique et la citoyenneté. Et pourquoi pas une propriété sur la côte et un mec pour être fric? Pour ça, je saurais me débrouiller toute seule. Qu'attends-tu de moi? Je veux en savoir plus sur Anarchie 99. Tu veux en savoir plus sur Anarchie 99? Ouais. Bon, tu as pu voir les filles, les clubs, les orgies. Ce que tu ne vois pas, c'est ce qui se passe pendant la journée. Il y a beaucoup d'activités depuis l'année dernière. Des gens vont et viennent. Des Russes. Des scientifiques. C'est quoi leur bise, au juste? Je n'en sais rien, ça se passe au sous-sol et je n'ai pas le droit d'y aller. Je crois que le moment est venu de te faire inviter. Yorgi sait que tu es un agent. Kirill t'attend dehors avec son fusil. Où ça? Pas. Il y a une porte derrière. Ben oui, mais si je me sauve par derrière, ils sauront que t'as parlé. Si tu sors par devant, il te mettra une balle en plein dans l'œil. Est dans le coin. Toujours. Sois prête à t'en servir. C'est quoi ton plan? Il est toujours amoureux de toi, non? Oui. Cool, il tirera pas tant qu'il t'aura dans sa ligne de mire. C'est ça ton plan? Merci, c'est génial. We'll be right back.
Il est en route. Gibbons, mon kidnappeur préféré. La prochaine fois, envoyez une limousine. Chut. Sérieux, vous vous foutez de ma gueule? Vous m'avez déjà bien entubé, inutile de devenir sadique et tordu. Un billet, ça devient drôle. Ok, où je vais aller maintenant? Chez vous. Chez moi. Votre couverture est foutue. Vous ne nous êtes plus d'aucune utilité. C'est tout, c'est fini pour moi. Il n'y a pas de souci. Nous avons suffisamment de données pour en finir. Avec quoi? L'équipe de nettoyage rapide, nette, efficace. Et vous pouvez oublier toute cette histoire. Elle sera bientôt terminée. Vous voulez dire des hommes qui vont venir liquider tout le monde? Vous savez, ils sont pas tous aussi mauvais que vous le croyez. Vous avez dû descendre un flic pour être des leurs. Expliquez-moi dans quelle mesure il faut que je vous croie. Bon, d'accord. Ça va se compliquer un peu. Il y a une fille, Yelena. Il y a toujours une fille. Ouais, elle voulait se barrer. Et moi, je l'ai envoyée jouer les espionnes rien que pour vous. C'est pas le moment de vous prendre pour Mère Teresa. Les jeux sont faits. Comment ça, les jeux sont faits? Vous la connaissez même pas. Tiens, au fait, au sujet des coordonnées bancaires que vous nous avez données, vos amis et Yelena ont viré une importante somme d'argent à un groupe de scientifiques russes connus comme étant des experts et des trafiquants d'armes biologiques. Je vous dis qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Vous rentrez, Triple X. Elle n'essaie... Un ordre. Non ! Co, jak to jde? Stojí to za hovno. Zimák v prdeli. A rozumím. Слушай, Елена, en franchissant cette porte, tu te lis à nous jusqu'à la mort. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? J'en suis sûr. Ладно.
te présente Ab. En gros, c'est un sous-marin à énergie solaire. Il est capable de faire le tour du globe pour atteindre sa cible. Il ne fait surface que pour capter les rayons du soleil et pour faire son petit travail. Et c'est quoi son petit travail? Distribuer tout plein de cadeaux à tous les gentils enfants de la Terre. Regarde la petite souris blanche. Bye bye, petite souris. Rakita! 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 Leur mission et ils étaient devenus un danger potentiel. Nous ne voudrions pas que quelqu'un apprenne nos activités. Le gaz est aspiré par les turbines d'extraction, passe à travers l'eau qui le neutralise, le rendant à nouveau complètement inoffensif. Quel silence! Maintenant, je comprends pourquoi ils l'ont appelé paisible nuit. Hey, il y a un
Американская водка, просто. Наша водка. Да. Очень хорошо. Все, пора. Давай. Какая очень хорошая. D'abord, tu mets balance au bar, ensuite tu mets colle une balle dans le dos. Mes boss me l'ont fait, je te l'ai fait, c'est un cercle vicieux. Tu trouves ça marrant? Non, j'ai pas dit que c'était marrant, tu l'as pas pris pour toi, j'espère. J'ai fait ce que j'avais à faire pour m'infiltrer. On est du même côté, tu te souviens? Désolé, j'ai changé de côté. Tu as trop joué avec mes nerfs, Triple X, et mon gouvernement ne paye pas aussi bien que Yorgi. Attends, mon gouvernement paye deux fois plus que Yorgi. Tu croyais que tu pouvais t'amuser à débarquer dans le monde d'espionnage comme ça? Et du jour au lendemain, tout comprendre? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Me buter? Hein? Où tu la veux? De la tête? Pour une mort éclair? Ou dans la poitrine pour que dans ton cercueil, je puisse voir ton cœur? Je dois répondre tout de suite. Putain, mais d'où tu sors? Je t'ai entendu parler. Je suis où tu étais dans la pièce. Tu peux m'expliquer ce que tu fous avec les jumeaux? Alors, raconte. Il y a quelque chose que je n'ai pas eu le temps de te dire avant. Je suis un agent, moi aussi. Je suis un agent du FSB, les renseignements russes. Tu sais, genre votre CIA. Je suis infiltré ici depuis 2 ans. 2 ans? C'était quoi ton plan? Attendre qu'il meure de vieillesse? Il n'y avait aucun plan. Il y a 1 an et demi, le FSB a été restructuré et depuis je n'ai plus reçu d'ordre. Je crois qu'ils m'ont oublié. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour survivre, tu comprends? Qu'est-ce que tu veux que je pige à tout ça? Ça fait 1 semaine que je fais ce boulot. Mais je crois que là-haut, faut qu'ils apprennent tout ce qu'on sait. Ok. Ok. Ce sous-marin a été conçu pour répandre un agent binaire neurotoxique baptisé Paisible Nuit.
Sa formule a disparu au moment de l'effondrement de l'Union soviétique en 91. Et il peut tuer des millions de gens. Nous savions qu'il mijotait quelque chose et vous avez découvert quoi? C'est de l'excellent boulot, Triple X. En gros, votre équipe de nettoyage n'a jamais existé. Si je vous disais de ne pas sauter du toit de l'Empire State Building... Je me jetterais plutôt deux fois qu'une. Vous voyez, je vous ai inspiré. Je suis votre mentor, on me paie pour ce boulot. Écoutez, mes hommes ont pris le relais. Il est temps pour vous de rentrer au bercail. Et pour Yelena? Je ne suis pas habilité à lui offrir l'asile politique. Mais je m'engage à ce que ce soit chose faite avant même votre retour ici. Amenez-vous, Xander. C'est un ordre. Combien de temps Yorgi pourra-t-il lancer cet engin? On vient de t'ordonner de partir d'ici et de passer la main aux autres. Combien de temps? Peu de temps, mais ce n'est plus notre problème. S'il passe à l'acte avant la date prévue, ce sera un problème pour tout le monde. Écoute, c'est impossible. Il a une armée, une forteresse. Tu n'as aucune chance. J'ai risqué ma vie pour un tas de raisons stupides. C'est la première fois que ça a un sens à mes yeux. Ce n'est pas une de tes cascades, X. Tu mourras, tu en es conscient? Je sais juste que si tu ne retournes pas là-bas, il saura qu'il se passe quelque chose. Tu ne peux pas m'obliger à y retourner. Tu n'as pas le droit. Tu sais le comble dans tout ça? J'étais volontaire pour cette mission. Je voulais rendre le monde meilleur. J'ai dû me battre pour être de la partie. Alors, finis-la. Au fait, tu te souviens de ce que je t'ai dit après que tu m'as embrassé? Un truc comme plus jamais. J'ai menti. Mais vous savez, tout compte fait, je suis un homme très simple. Je serais comblé avec une belle tchèque, une maison. Hey, Einstein, j'ai de nouveaux ordres de Gibbons. Grave. Tout ce qu'il y a dehors, dedans. Ça roule. Chaque centimètre carré de ce château est surveillé par une caméra. Zámek hlídají bezpečnostní kamery. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'approcher suffisamment. Proto se tam nemůžeme dostat. Hé, attendez, attendez! C'est pourquoi je dois neutraliser leur relais de communication, une tour au pied de la montagne. Z toho důvodu potřebuje zlikvidovat komunikační věž na úpatí tady té hory. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sait piloter? Moi, je sais. Il y a trop de turbulences dans ce secteur! Vous me larguez à la verticale de la tour! Je m'occupe du reste. Come on.
idiote. Pas le temps de se faire, Douce, tu as perdu le mode d'emploi. Tu avais pour mission de liquider le flic dès qu'il aurait descendu X. Grosse erreur pour une espionne envoyée par les services secrets russes. J'ai su pour toi dès le premier jour et j'ai pris un malin plaisir à te manipuler et à t'utiliser à ma guise. Et toi ?
De toutes les personnes, je croyais qu'au moins toi, tu aurais compris ce que j'essaie d'accomplir. Tu as de l'imagination. Imagine une ville telle que Prague disparaître dans un nuage de gaz empoisonné. Puis Hambourg, London, Washington. Imagine que personne ne sache qui l'a fait, ni pourquoi. Alors ils se sautent à la gorge. Ici, des nations attaquent leurs voisins. Là, des pays envahissent leurs alliés. Et bientôt le monde implose. Imagine la mort de tous les gouvernements. Et à la fin, imagine-toi goûter à l'absolu, la sublime liberté. Mais aucun de vous ne sera là pour le voir. Victor non plus. Kolia non plus. Je devrais essayer sans la sécurité. Retiens-les aussi longtemps que tu pourras. Adieu, camarade. Bazooka, mon pote, arrête de penser manuel de police et pense un peu PlayStation. Faut tout faire péter. C'est pas un bazooka, c'est une roquette à guidage thermique. Guidage thermique. Arme-le. Cet enfoiré est en train de fumer. Thank you.
Tu avais dit que la clope aurait sa peau un jour. On y va! Cette bagnole volerait. Vous savez, vous m'avez bien baisé sur ce coup-là. Gibbons a autorisé que dalle et il va nous suspendre par la peau des... Et je vais me faire virer. Agent Severs. Ouais. Je te file une promotion, tu passes sur le terrain. Prends le relais, finis le nettoyage. Maintenant, c'est toi le boss. Il est là? Oui, monsieur, je suis l'homme de la situation. Et je vous désolerai pas. Attendez, attendez. Hé. Failli oublier la notice, vous en aurez besoin. Hé, X, allez, cassez la baraque. Ça doit faire du 130 km/h. Comment on arrête ce machin? On ne peut pas! Le dôme sur le toit, il abrite le panneau de contrôle. Tu le vois? Ouais. C'est là que se trouve le disque dur. Oh, regarde le mode d'emploi. Voici Shivers nous a mis quelque chose qui pourrait nous servir. Il a écrit ça avec ses pieds ou quoi? Fais un effort! Lance-flamme, mini-bombe, enjoliveur explosif, lance-roquette, c'est un tank! Mais c'est aucune utilité contre Hub! Paisible nuit ne peut être neutralisée que par l'eau. Faut que je monte dessus. Quoi? Va falloir que je monte dessus. Notre contrôle estime à Arab à 22 minutes de Prague. Devrions évacuer la ville. 22 minutes pour évacuer 1,5 million de civils? Envoyez un support aérien au cas où il faudrait détruire cet engin. Promettez. Monsieur, si nous touchons à cette chose... Cette ville sera rayée de la carte et la crise sera enrayée. Une ville, c'est mieux que 10. Il y a quelque chose. Une GTO bleu nuit roule à hauteur de Arab. Merde! Est-ce que cette route longe à nouveau le fleuve? Sers-toi du GPS. Oui, à 10 km près des vallées. Bon sang, attends, il doit bien y avoir quelque chose qu'on pourrait utiliser. Un fusil à harpon, des parachutes incorporés dans les sièges, un toit éjectable, que des choses qui ne servent à rien. On est encore loin? Le fleuve est juste après le prochain village!
maintenant. Utilise le lance-roquette. 22. Tire. Qu'est-ce que tu fous, c'est le lance-flamme, ça, il faut les roquettes. À quoi c'est le 22, je te l'avais dit, je comprends rien, c'est trop mal écrit. Tire, bordel. Chargez ce truc à bloc. Reparcours le manuel, je suis sûr qu'on a manqué quelque chose. Doc, le arme autour d'un arsenal bloqué derrière la banquette. Regarde! Prends le volant! Quoi? Prends le volant! Tu es malade! Oh, Fred! Fred!
Vous êtes Yelena ? Monsieur Gibbons. J'ai promis à Xander que vous seriez accueilli en Amérique. Je suis un homme de parole. Tout ça n'a plus vraiment d'importance. Bougez-vous! Bora, Bora! Quoi? J'entends rien! Bora, Bora. Xander, vous êtes là? Allez, je sais que vous êtes là. Je reçois les images d'un de nos satellites espions. Xander, appelez-moi. Il faut qu'on discute d'un tout nouveau dossier. Quelque chose d'important vient de se produire. Tiens, au fait, vous avez réussi le test. Le test de Gibbons. C'est ça, foutez-vous de moi. Up, I'm not the kind to lay down and die.